Né le 8 avril 2020. Alors maintenant, on a un très gros pédigré. On va rester avec Great Pretender. Très, très bien né ici, mesdames et messieurs. Et une pouliche remarquablement née. Bon, Great Pretender, évidemment, mais c'est aussi la sœur de Le Présien, gagnant, double gagnant du groupe 2 à Cheltenham. Entre autres, il a gagné d'autres groupes 2. C'est aussi la sœur de Montez Avaloir, un Blue Brésil, qui lui s'est placé à plusieurs reprises de groupe 2 et surtout de groupe 1. La famille du Royal Chantou, roi mage, un gros pédigré. Bah là, on a vraiment une souche pour l'élevage. Hein. Présienne du large. 20 000 euros, très jolie pouliche par ailleurs à 20 000, 20 000 euros. Top étalon Great Pretender à 20 000, 20 000, 20, 20 000 euros. 20 000, on y reviendra, 20 000 euros, 20,000, ou be 20, come on. 10 000, 10 000, oui j'ai 10 000, 10 000 euros, maintenant j'ai 10 000 à 10 000, à 10 000 euros Guillaume à 10 000, à 10 000, oui bien sûr à 10 000, 10 000 euros, à 10 000 euros maintenant l'enchère est là, 10 000 euros, 10 000 euros, 12 000, 12 000 euros. Et nous en sommes à un peu plus de la moitié de la vente, puisque la vente comporte 63 lots et nous en sommes aux 35. 20 000 euros, 20 000 euros la demi-sœur de Le Présien, 20 000 euros, à 20 000 euros l'enchère à droite à 20 000, 22 000, 22 000 euros, 25 000 à 25 000 à droite l'enchère, à 25 000 euros, Hard Sister to Le Présien, à 25 000, 27 000 euros, Vanier, 27 000 euros, à 27 000, 30 000 euros, à 35 000, est-ce qu'on va avoir le top price historique de la vente? Pour l'instant, le top price historique de la vente, je vous le rappelle, il était à 42 000 euros l'année dernière pour un prévu du large qui est aujourd'hui chez Paul Nichols. Nous sommes 42 000 euros. Ça y est, c'est fait. 45 000. Le top price historique de la vente. À 45 000 euros. Du show Lumet est en train d'être battu. Alors ça tombe bien parce que Pascal Nou, enfin David Lumet avait fait promettre à Pascal Nou une semaine de vacances à l'acheteur du top price payé par Pascal Nou dans la villa de David Lumet au Sénégal. Et ça tombe bien parce que c'est avec le 35, donc une jument de Pascal Nou que le top price est en train d'être établi. 50 000, 52. À 52, Le Présien à 52 000 euros. Est-ce qu'on a Florent Fontaine qui est en train de mettre des enchères? Pour l'instant, l'autre gros prix, c'était David Cotin. Je le cherche du regard, je ne le vois pas. 55 000 euros, tout est à droite, contre vous, Vanille, vous étiez deux. À 55 000, top Philippe, très bien né, Great Pretender, 7. J'ai 57 000. À 57 000 euros, mettez 60, monsieur, voulez-vous 60? À 57 000 euros, l'enchère est à gauche. À 57 000, à 60 000. Grégory Vert, AGV, Carvin, Bloodstock. 62 000, 65. 65, ils sont deux maintenant, 65 plus vous Thomas. À 65 000, Vanille, par vous et contre vous. Alors là, c'est plus la même histoire, 65 000. Le président, vous êtes deux. 65 000, mettez 7, monsieur. 65 000 euros, Vanille, l'enchère. À 65 000, je vous laisse un instant de réflexion, à 65 000 euros, la fille de Great Pretender, demi-sœur de Le Présien. À 65 000 euros, fini Thomas. À 65 000 euros, l'enchère est bien à vous, Vanille. À 65 000 euros, le marteau se lève et on peut la juger, c'est sûr. Ils étaient deux, Vanille. À 65 000 euros, bien vu, fini, la fille de Great Pretender. À 65 000, on adjuge. 65 000. Trotting Bloodstock, Florent Fontaine, merci beaucoup. 65 000 euros, votre enchère. Eh bien, bravo à Florent Fontaine.